Allez, on se met en place, on est prêt sur le terrain, quick, on est prêt sur le terrain, cri mutuel. De quoi ? Vite, le toast sur le terrain, cri mutuel. Allez. C'est bon sur le terrain, vite sur le terrain Atlantis. C'est bon ? Messieurs les arbitres. Attendez, sur le terrain Atlantis. C'est bon ? Allez, on y va. J'annonce les prochains matchs. Voilà, sur le terrain, Synergie. Toulouse FC contre Beaucouzé. Sur le terrain Atlantis, Gardia Club contre Nice. Sur le terrain Quick, Vanossé contre Andrézieux. Et sur le terrain très mutuel, Benfica Lisbonne contre Grenoble. Résultat, s'il vous plaît, sur le terrain Atlantis. Terrain Atlantis. Sur le terrain Quick. 2-0 pour Bordeaux. Sur le terrain Crédit Mutuel. 1-0 pour la Juve, merci. Sur le terrain Atlantis. 1-0 pour Saint-Etienne, merci. Sur le terrain Atlantis, Synergie. Synergie, Romain. 2-0 pour Caen, merci. Allez, on va suivre le match sur le terrain Crédit Mutuel entre les Portugais du FC Porto et Redon. Le FC Atlantique Vilaine, me dit-on. Voilà, le nom est plus long, mais bon, Redon, ça m'allait bien, moi. Et le FC Atlantique Vilaine, donc ça doit être une entente, hein, une fusion entre plusieurs clubs. Avec Saint-Nicolas de Redon notamment. Allez, les Portugais, remis en jeu dans leur traditionnel maillot. Bleu clair rayé. Ballon dans la surface de réparation. On continue à jouer. On va revenir essayer de construire. Passer par derrière, toujours utiliser au mieux les espaces. Une remise en jeu. Pour le FC Atlantique Vilaine, les Portugais qui récupèrent la balle. Eh oui, les touches, il faut bien les faire, les amis, on les voit hein, dans tous les clubs. Hein. Petit et grand, un nombre de touches incroyablement mauvaises. Il faut travailler ça à l'entraînement, les coachs, là. Et les Portugais qui repassent avec leur gardien derrière. Gérard Pelletier, attendu au bar. Gérard Pelletier, au bar, merci. Allez, placez, placez, les gars. Et le pied haut, coup franc, dangereux pour les Portugais. Pas à trois, les gars, deux. Point droitier, là. Il demande s'il va pouvoir contourner le mur ou la centrer.
C'est un centre, le coup de tête défensif, la remise en touche pour les Portugais. Il est certain que Willem qui tient bon face à Porto pour le moment. Il y en aura tout à l'heure un décisif Nantes-Inter de Milan avec une victoire impérative des Canaris s'ils veulent se qualifier. Ouais. Ce sera vers 14h20 je crois, quelque chose comme ça. Ouais, je crois qu'il y aura le temps d'aller grignoter. Ah, ils sont pas là. 1h20, 13h20. Ouais. Avec sa dominique. Elle a une petite. Elle a une petite dominique. On va tenter le geste individuel. Ils sont bien en place, les joueurs de l'Atlantique Vilaine. Le bloc est bien en place. Et les Portugais ont du mal à le contourner pour le moment. Moi je dis. Allez, où Et ça sera un corner, le ballon qui est touché. T'inquiète, Rafi. Sur coup de pied arrêté. Elle est bien frappée, elle est forte. Oh, aïe, 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 le coup de tête du capitaine qui passe juste à côté. Ça a frisé le but. Frôler le poteau gauche là. Allez, les Portugais, le capitaine en possession du ballon, on repasse dans l'axe, on essaie de trouver la solution, peut-être sur le côté, revenir sur lui-même. Voilà, dans un petit périmètre, ils sont passés, joli le tacle. Allez, on repasse par derrière, contourner ce bloc pour les Portugais, trouve pas la solution. Vite avec qui ? Reviens vers l'intérieur, c'est bien fait, il va frapper, la frappe qui passe à côté. Mais elle a été contrée, ça sera un nouveau corner. Mais attention, hein, on l'a vu, dangereux sur corner tout à l'heure. La balle très fort devant le but, et le voilà. Le but du capitaine tout à l'heure s'est passé à côté, mais là c'est dedans. Non, pas n'importe quoi, non. Allez, les Nantais, les Portugais qui font tourner la balle. Oh, la petite douche, c'est bien fait au-dessus. Le dribble intérieur-extérieur, il est passé. Il revient à l'intérieur, il est passé. Oh, j'entends bien les darons rentrer là.
Et un coup franc pour Porto. Allez, au coup de sifflet de l'arbitre, attention sur coup de pied arrêté. Le danger tout à l'heure, on l'a vu avec le coup de tête du capitaine portugais. Et peut-être tenter de frapper directement, je pense. Hein. Voilà, la frappe directe, elle est dedans. Ça fait 2 à 0. Et Porto qui double la mise, 2 à 0. Sans arrêt. Oh là là. Et les Portugais au milieu du terrain continuent à jouer en appui. Allez, côté. Allez, peut-être ressortir ce ballon. Aïe, dommage, elle est sortie. Ce sera une touche en faveur de Porto. Attention, hein, ce second ballon derrière, ils sont télescopés tous les deux. Ça sera un corner. Attention, coup de pied arrêté. Un boucher, ça va être sortant. Un ballon au premier poteau, bien dégagé. Et on repasse une nouvelle fois sur le côté. Allez, le coup franc pour les Portugais, après un accrochage de maillot, sifflé par l'arbitre. C'est de mettre un ballon peut-être un peu plongeant. Attention, deuxième ballon, bien joué le gardien. En jeu. Non, non, restez là. Non, on est bien là. Pour le pied de Rodon. On va pas vous entendre. Si, t'inquiète, t'inquiète. C'est pas mal aussi. On a la voix, nous. Allez, peut-être l'opportunité là-bas. Le gardien qui est sorti loin de son but, de la tête, tranquillement, qui la met en touche. C'est Porto qui gère ce score de 2 à 0. Attention, la contre-attaque là, ça peut aller très vite. Le ballon donné sur le côté. On va revenir attendre. Voilà, repasser par derrière, par le capitaine toujours. Chercher la meilleure solution, l'appel de balle dans la profondeur, il va peut-être lui mettre. Non, il ne lui met pas. Il revient derrière. Voilà, repasser par l'intérieur. C'est où, Alex ? Ce bloc, bien joué, une touche de balle. Le petit dribble, oh, c'est bien fait ça. Ouais, il aurait dû frapper tout de suite.
a été bien placé l'arbitre sur ce coup-là. On part plus par les côtés. Ah, pour rester sur le côté. Mais ça. Allez, un petit peu plus, un peu moins de 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Voilà, reculer un peu pour faire la touche au bon endroit. Allez, les Portugais, l'appel de balle en profondeur. Peut-être là, il va être servi, le long ballon. Tout de suite dans les bras du gardien. On va pouvoir lancer, attention, contre là-dessus. Ça va être dangereux. Il va amener le ballon au centre. Et le troisième but de Porto. Allez, la prendre en passant. Pour la prendre en passant, j'y vais. Et on repasse par derrière, on construit toujours côté portugais. Je vous l'ai dit, il faudra compter avec eux. Hein. Donc cette équipe de Porto impressionnante, bien équilibrée, même si l'équipe, c'est vrai, de c'est Atlantique. De Redon, c'est bien battu, mais ça a été un peu compliqué. Il y avait un peu trop de différence de niveau là sur ce match-là en tous les cas, mais c'est bien. Messieurs les arbitres. Et victoire finalement de 3-0 pour Porto. 3-0 pour Porto, merci Olivier. Donc c'est mis en place sur le terrain Synergie, Toulouse FC contre Bocuse, sur le terrain Tantis, Gardia Club contre Nice, sur le terrain Quick, Vanossé contre Andrézieux, et sur le terrain Crédit Mutuel, Benfica Lisbonne contre Grenoble Foot.